prêts pour la danser. Côté pipoué, qui passe à Pématé. Les patines débarquent, tout bagaille yon changé. Les îles pas comme ça, yon lèle qui nous passe. Faut raconter là, faut expliquer. On a les papiers, l'info indéfinie. Rien n'a qu'un passé, on peut toujours les chanter. Pas qu'un coller, non, pas qu'un blogué. C'est les gens ou voulaient, l'info qu'un passé. C'est les fêtes en sur Fadil. Pas qu'un vagabond, oh. Si c'est pas tout en Fadil, on a du talent. Parce que qu'un local new style, ça me petit ou dans la ligne. Nous est donné, on a gagné à Val. Local new style, ça me petit ou dans la ligne. Nous est donné, on a gagné à Val. C'est-à-dire entrer dans la chambre, c'est rat par les mamies, les clés des portes. Oh, tout ça c'est blague. FM, Alter Radio, la radio avec un grand R. Segment spécial. Spécial. Bienvenue dans segment spécial ça sous Alter Radio. C'est pas une émission ordinaire, son temps spécial justement nous prend pour nous aborder une question qui est capitale pour l'avenir PIA, qu'on prend du point de vue politique, qu'on prend du point de vue démocratique tout court, la vie publique en général, ces affaires corruption ça qui dominait actualité à nous tendez rapport ULCCA qui sorti la semaine là et qui épinglé trois membres conseil présidentiel transition 1, n'a parlé de Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et puis ancien sénateur Gérald Gilles, ils ont tous
qui d'après rapport a impliqué dans un gros acte corruption recevoir pot de vin pour yo ta reconduit Raoul Pierre-Louis comme directeur BNC Banque Nationale de Crédit. Le fond de l'affaire c'est ça lié, mais il y a un bon détail dans le rapport là, peut-être au fur et à mesure na vini sou yo, mais pour analyser ça qui passé et qui lui-même c'est une affaire nous t'a dit qui inédite dans histoire politique pays ça depuis au moins 50 dernières années ça yo. Nous gagnons en ligne avec nous Édouard Poultre, c'est secrétaire exécutif Ensemble contre la corruption. C'est un ensemble d'organisations de défense des droits humains, organisations qui observent, qui suivent ce qui a passé dans le pays, organisations citoyennes qui rassemblent pour mener une bataille contre corruption et plateforme dans relais Ensemble contre la corruption. C'est lui qui est secrétaire exécutif, lui, Édouard Poultre. Bienvenue sous antenne Alter Radio. Oui, bonjour, bonjour Godson, bonjour à toutes auditeurs et auditrices Alter Radio. Son plaisir pour nous parler. Il est vrai que sujet corruption n'a pas gagné aucune réjouissance pour nous parler de lui, parce que corruption est tellement et a fait ravage et dans espace public là, dans gouvernance pays là, que ça n'a vive là et comme situation côté nouvel état effondré net, corruption jouait un gros rôle là-dedans. Et gagné une définition que et moins pas en définition mais plutôt en approche que Nations Unies fait sur l'affaire corruption, les deux sont bagages qui pernicieux, sont pièges ou tomber là dedans et puis piège ça fait que ou tombé là dans lit ou vin carrément et tant coup un monde qui a souffri en maladie qui incurable. Donc ou praler et maladie ça a emporté ou. Et c'est un peu ça que n'a vive là parce que corruption Jean et Nations Unies continue d'y lit et que lit li fait pays yo tombé non problème que institution ou pas ka fonctionner et violation droit moun et massacre c'est vraiment et moi-même et approche ça que Nations Unies fait et sous affaire corruption donc ça va passer nous là mais c'est pas moi-même, moi, toujours dit ça, et corruption, pas grand fatalité, et corruption en Haïti. Et c'est volonté pour nous gagner, c'est leadership pour nous gagner, c'est hommes et femmes d'État et pour nous gagner, même gens d'autres, même gens, certains pays sautis, et corruption non gouvernance qui dominée par la corruption qu'un pays qui fait exemple dans ça et qui sortit tête yo non et de régime et complètement corrompu ouais. Donc, voilà le tableau est dressé mais un pays a est vraiment un plus gros problème que n'a confronté là qu'on y est en c'est question corruption. Alors, on a venu pour mettre question en perspective, Jean Offelin, mais il y a un élément précis qui lui-même embâché nous aujourd'hui, c'est rapport ça que ULCC sorti et qui établit que effectivement, t'es gagné sa corruption, le parler de pot de vin et l'autre problème encore. En fait, de quoi s'agit-il? C'est conseiller qui t'a demandé
100 millions de goudes pour capable reconduit fonctionnaire l'en poste li, et comme lui-même l'en discuter avec yo li pas arrivé dégager l'agent ça li proposer l'autre formule et c'est comme ça yo vinn gen carte de crédit nan men yo de montant de 20 000 dollars et y a dépensé à droite à gauche et le ça c'est Raoul Pierre-Louis lui-même qui t'a gagné pour renflouer compte carte de crédit que yo joine de manière irrégulière tout ça n'a dit là li établi l'en rapport et c'est peut-être ça ULCC mandé pour la justice prend question en main. Yo parlé de une formule qui dit mettez l'action publique en mouvement, cela veut dire que chef parquet, commissaire gouvernement l'en Port-au-Prince a dû prendre question en main pour li investiguer et puis faire ça la loi dit. Alors globalement rapport là li fait un pile remou, nous regarder dans qui condition, dans qui contexte que le sorti, comment la presse est mobilisée, comment public là intéressé, nous-mêmes nous ouais ça et qualité rapport ça qui ça que vous capable dit souli et Edouard Poultre. Oui. Bon, nous-mêmes et dans ECC on nous dit le tout de suite et ULCC c'est une institution jodia nous penser qui comme institution publique qui mandatée pour faire ça la faire et faire enquête sur des actes de corruption nous croit que les gagner les ressources techniques et humaines là dans ligne qui est qualifié pour faire travail là. Ça c'est premier bail que nous constater et parce que rapport d'enquête que nous gagnons dans ben nous traiter rapport d'enquête que ULCC fait sous différents scandales de corruption, différents actes de corruption qui a passé pratiquement quotidiennement dans le pays. Malheureusement, pas grand pile qui vivait joindre ULCC, mais ça qui vivait joindre yo, enquête que vous menez yo, c'est des enquêtes qui répondent aux normes, qui liées aux normes liées à ça, une ORLE et crime financier. Incrimination dans question corruption, il y a trois éléments qui ont besoin de respecter avec force. Premier élément, c'est l'élément légal. Là. Et l'élément légal là, et la loi. Et après dans toute enquête ULCC fait yo limité qui un type de loi que ordonnateur ou bien moun y a enquêté sur yo qui un type de loi que yo violé dans loi et portant et prévention et répression de la corruption, c'est loi 2014. Donc premier élément, c'est élément légal. Deuxième élément dans rapport d'enquête pour moun chercher, c'est élément matériel. Élément matériel là, c'est élément qui lié avec transaction illégale qui fait avec finance et pays. Ouais. Donc et ça c'est élément matériel et rapport d'enquête ULCC a respecté ça. On a fini avec des faits qui gagnaient les éléments matériels de ça l'a jugé. Et puis dernier élément c'est élément intentionnel. Élément intentionnel là où est que yo respecté tout à fait le yo joine
intention qui c'est élément moral là, intention pour yo chercher faire comme sous dos l'État. Donc intention pas et où est les transpirer dans rapport d'enquête yo qui fait que rapport ULCTO c'est des rapports qui solides qui campaient sous des faits et nous-mêmes dans ETC et où qu'on est nous a fait un plaidoyer tout pour que gagner un parquet financier national anticorruption et qui pour permettre c'est ça accord 3 avril là tu prévois oui pour bon un parquet financier national anticorruption laisse ça et si yo bay et ULCC mandat sa mission ça la en dehors de l'autre mission que gagne pour prévention etc mais si yo bal mission ça ouais que ULCC vini et est capable transférer dossier d'enquête que le fait yo il transfère yo directement à un juge d'instruction pour lui continuer faire enquête judiciaire. Donc cela veut dire que la précision ça important, c'est pas un appel public qui a fait tant que gens ça fait l'encasa, c'est pral comme si on courroie de transmission même qui établit qui vient faire que question yo aller directement dans la justice. Absolument. Et puis bon, dernièrement parce que et plaidoyer ça n'a pas fait pour parquet financier c'est premier palier deuxième palier c'est le pôle un pôle financier dans la justice et pôle financier ça est nécessaire parce que crime financier c'est y a pas même genre avec crime de sang ou bien l'autre crime sexuel c'est des bagailles très qui font une expertise font une équipe gain expertise financière, comptable, etc. pour lui capable comprendre les questions crimes financiers. Donc faut bien des juges qui qualifiés pour traiter les dossiers liés aux crimes financiers. Alors question ça que parlier à l'assemblée que le gouvernement fait une dernièrement avec les CSPJ et même la communauté internationale là dans l'île qui parlait de qui font accord pour que effectivement ils développent pôle financier ça dans la justice. Donc ce qui veut dire que on va gagner des juges compétents qui et aussi qui est non seulement qui compétent, qui qualifié, mais des juges qui gagnent suffisamment d'éthique en termes d'intégrité, d'honnêteté, etc., pour y conduire de tels dossiers. Alors donc, ce so, dit là, globalement, il répond aux préoccupations qui gagnent, que me tendez dans l'espace public là, depuis avant d'ailleurs, rapport à tes outils, comme quoi démarche ça, t'as politiquement motivé. Enquête et offert. Bon, moi-même, on connaît politicien toujours dit n'importe quoi. Non seulement politicien, mais où t'es où réaction, les scandales l'a fait éclater, où t'es où réaction, secteur politique qui t'es voué mounio. Vous comprenez? Et jusqu'à présent, moun qui que yo indexé dans le rapport ça, où est qui. Et qui ça y a dit au pas praler y a dit que y a pas reconnaître bagaille donc et vous connaissez c'est comme ça nous traiter et question c'est le déni comprendre que monsieur Sayo yo comprendre que yo ka jouer et avec bagaille qui piste au lieu qui gagne dans pays là. Donc voilà, ça pas étonné moins que y a une réaction ça parce que y a une bagaille m'a observé Godson, c'est que
les hommes et les femmes politiques, ça nous connaît, yo, qui a plus d'influence là qu'on y a. Au bon parti là-dedans, yo, la majorité, en tout cas, c'est moun qui comprennent que politique là qu'a fait n'importe qui gens. Vous comprenez? C'est moun qui comprennent que. Yo là, yo là net, pas gen un rien qui a renversé yo. Affaire de enquête ULCCA, c'est pas un rien ça, c'est yo même qui gen force, qui gen pouvoir. Ça, c'est comme ça yo fait politique ici, et yo pas jamais reconnaître que politique là, gon dose morale là-dedans. Pour exercer politique, pour faire politique dans un pays. Regardez, par exemple, où il y a de grands partis politiques dans l'autre pays qui a fait démocratie, etc., qui a participé dans la médiation démocratique, il y a un gros chabrak dans le parti. Bras au prendre dans moulin dans la corruption, mais tout de suite, immédiatement, yo mette yo à côté. Vous comprenez? Et regardez François Fillon. François Fillon en France était candidat pour la président dans l'élection. Et puis, scandale éclaté dans l'affaire de emploi fictif. Et puis, il est tombé. Il n'est pas capable de porter tête. Il n'est pas capable de candidat. Vous comprenez? Donc, qui est ça? Qui était ministre? Et budget en France sous François Hollande et puis yo prend le nom affaire de impôt qui pas déclaré bah comme ça qui yo mettez la tête immédiatement pas rien jouet là-dedans et monsieur ça yo t'a tant un rapport d'enquête ULCC ou par contre pour quelle raison il y a tant ni Et pour qui ça, justement, et conseil présidentiel de transition, pas capable de libérer de trois mounsaïo qui étaient éclaboussés et qui sont été forts et que des éléments qui t'ont sorti avant même enquête là, des procès verbal, lettres écrites, etc. C'est parce que yo tout yo pas comprendre question phénomène corruption, yo pas intégré question morale là, dans question politique. Mais vous venez avec un argument technique qui dit que tout conseiller au même niveau que yo pas capable yo même mander mon yo pour mettre à côté d'une part et d'autre part yo soulevons l'autre problème qui ta technique afin de vote qui t'est passé de 4 à 5 et yo pas réuni 5 pour te ka faire un vote qui c'est un vote pour une décision majeure comme ça 5 sur 7 Il y a toujours une porte de ce bail pour montrer que vous pas responsable, pour vous montrer que vous pas capable vous-même. Mais dès le départ, si vous te prend position, ou prend une position ferme, parce que là, plus tard le n'a traité question de sur le plan juridique et politique ou après que ou prendre attitude ça que vous avez gagné le scandale a éclaté a li capable emporter CPTA même deux mois après ou prendre que le rapport là sorti comprendre CPTA li fragilise pas dit pas connait mauvais gestion dans gouvernance pays a fait l'état manquer moyen pour répondre à besoin population mettez sous ça peuple a pas fait aucun nan dirigeant li confiance citoyen jeunes ouvriers professionnels quel que soit secteur ou évoluer ou doit camper dans bande parler de garder mobiliser contre corruption sensibiliser jeune l'autre c'est pour une sous-société a pour exiger bon gens gouvernance à la tête pays et c'est vinn
c'était Edgar Leblanc. C'est ça que nous avons souligné. Système gouvernance pays a pour changer. Et voilà que rencontre, rationaliser des postes publics, mettre intérêt pays à devant et puis commencer bon projet de développement. Pour nous voir signal là, je vous mets 9 décembre 2024 là et c'est invité au protocole dans une grosse campagne contre corruption. C'est pour chaque organisation faite en des voyous. Dénoncer toute forme de corruption, gens capables. Faire meeting, sitting, faire manifestation, théâtre, réel, écrit texte avec vidéo. Les collègues dans la société civile là, son braquage, qui dit son braquage, je fais. Et yo braqué les banques là, ou reprendre pour yo tirer. Mais ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes parce que yo te gen, c'est la plus ancienne institution financière commerciale dans le pays, BNC. Et puis yo t'a attaqué au bien commun comme ça, parce que BNC c'est le bien commun à tous les Haïtiens, ou comprendre. Et s'il développer plus ligue un profit, c'est plus et la veste de l'État et dividende, etc. Donc et vraiment c'est un scandale. Nous pouvons garder toute portée bagay ça et gagner, mais c'est vraiment le scandale du siècle. Ouais. Et monsieur Oufella, en parlant de portée, et pendant toute l'affaire qui éclatait et la prend dimension, au moins on a posé cette question, mais comment que une personnalité qui a un statut présidentiel capable d'un rendez-vous dans un hôtel avec on a dit bon soit regarder du point de vue hiérarchique qui parle du tout pour Alchita et négocier, et jusqu'à ce que d'après ça qui sorti pour y employer des langages tant coup bamba gaela c'est pour bamba gaela etc. enfin mais comment cela se fait-il, puisque même l'homme nous remonte 50 années avant, même sous dictature du Valier, on pas imaginé que au monde de ce niveau qui font type de négociation avec un subalterne. Longtemps oui, éthique publique yo nous la gay honnête, ou pas mon yo fait n'importe quoi et ordonnateur yo ou pas yo fait n'importe quoi. Et longtemps, oui, nous l'a dit ça. Et ça qui gagne, c'est que premier constat pour nous faire, toute la majorité d'hommes et de femmes politiques ou menées politiques actives, et la majorité, m'a dit toutes, et la majorité, c'est comme ils viennent faire. Ils viennent plein poche. Il n'y a pas une réglementation pour le pays. Bon, regardez le gouvernement Ariel Henry qui yo pillé le pays net. Yo pillé le net. Et tout en vent. Et question gang ça qui déploie dans le pays. C'est l'œuvre de PHTK. Les deux versions. Mantelli et Jovenel Moïse, c'est même bagaille là, c'est pillé, monsieur, pillé, et monsieur, dame, vous venez pillé. Donc, est-ce que le régime ça a tout, il y a un lien pour pays, Edouard Paul, est-ce que le régime ça a tout, il y a une conséquence sous question de moralité dans le pays à tout, puisque l'OP dit depuis un certain nombre d'années, c'est vrai que avant, il y a une corruption, etc. Mais les valeurs, est-ce que pas pour un coup en plus avec l'expérience qui commençait après Prévalio? Ah oui, oui, non, mais et puis, s'il vous plaît, ça, ouais, qu'a fait là, comment, où est Mounio? Vous comprenez? Et scandale passeport by Washington. Scandale ça a fait. C'est pour vous avec qui facilité, habilité, malgré
et monsieur Oguin, le parlement qui était là, etc. Pour monsieur, au fait, recette, ou reprendre question passeport, partez en dehors du fisc. En dehors du fisc. Ou, ça veut dire, yo prend, yo fait passeport à Washington, yo plein comme nan men yo, yo fait ça yo pipito avec Cobla. Ou si y a passé Washington même yo prend yo plein poche et je dis à pour yo accepter yo refuser accepter que coup des comptes à le faire et audit à faire passeport là et donc question éthique yo, depuis longtemps depuis plusieurs années nous mettons à côté net et puis nous n'a monté descendre avec l'argent l'État non mais yo il a fait ça au pipito ou comprendre gagner des centaines de millions de gourdes ou comprendre qui a circulé là dans pays qui en dehors de la fiscalité, en dehors du fisc, tout l'argent au AVCD, à PN, à AN, et au NA, au FATMA, nous ça n'a pas respecté aucun norme. C'est une lieu côté pillage, l'autre mieux. Ou prendre pillage à fait devant derrière. Ouais. Songez ça, Abdi et Edouard Paul, puisque nous obligés de prendre une petite pause technique, n'a retourné tout à l'heure. Nous, avec secrétaire exécutif ECC, Ensemble contre la corruption, et n'a fait un palais spécial. L'occasion rapport ça que ULCC mettait dehors et qui épinglait trois conseiller président qui t'a doué, d'après recommandation ULCC, paraître devant la justice pour sa corruption pot de vin que recevoir pour nommer un fonctionnaire l'État. N'a retourné tout à l'heure, palais spécial, ça n'a fait la place, Tichès Ba, rete écouté Alter Radio. Alter Radio, 106.1 MHz, en FM. Pas dit ou pas qu'on est. Mauvais gestion dans la gouvernance pays, a fait l'État manquer moyen pour répondre à besoin population. Mettez sous ça, peuple n'a pas fait aucun dirigeant lié aux confiances. Citoyens, jeunes, ouvriers, professionnels, dans quel que soit secteur évolué, ou doit camper dans la bande, parler de garder, mobiliser contre corruption, sensibiliser yon l'autre. C'est pour nous souquer société, pour nous exiger bon genre gouvernance à la tête pays. Et si c'est Vindio, nous ne changer ça. Corruption pas une fatalité. C'est système gouvernance pays pour nous changer. Notre transparence, rendre compte, rationaliser des postes publics, nous mettons intérêt pays devant et puis commencer bon genre projet de développement. Pour nous voir signal si là, journée 9 décembre 2024 là, et c'est invité ou protocoler dans une grosse campagne contre corruption. C'est pour chaque organisation fait en devoir ou dénoncer toute forme corruption, gens capables de faire meeting, sitting, faire manifestation, théâtre, réel, écrit texte avec vidéo sur réseaux sociaux. C'est pour nous faire coucou rouge derrière corruption. Camarades, corruption pas une fatalité. C'est changer pour changer le système gouvernance pays. Segment spécial. Segment spécial sous Alter Radio. Nous bien content qu'on avec nous et certainement c'est une question qui intéresse ou li intéresse tout journaliste tout li intéresse PIA. Son gros scandale que n'a pas assisté là. Trois conseillers présidents que yo joignent main ou dans l'agent l'État. Au devin, il recevoir pour nommer un monde qui sait une tâche que l'État bayo normalement, donc il y a marchandel
et c'est principale question qui fait que moun sa yo ta fait pour paraître devant la justice, c'est ça que ULCC recommandé et c'est ça que fait n'a pas allé analyser, garder divers aspects dans question hein, avec Edouard Paul, c'est secrétaire exécutif ensemble contre la corruption et une plateforme organisation qui a bataille contre corruption. Avant nous vin rive là ou t'a pral parler me dit songer son a dit Edouard Paul puisque t'a pral ba nou histoire sur l'année dernière. Ya yeah, et yo ti exemple que me te vle bay et la l'année dernière en décembre 2023 décembre et nous écrit ministre finance. Nous écrit ministre finance et monsieur Boisvert nous mandel pour le mettre à notre disposition bilan et état financier trois derniers exercices pour cinq institutions, cinq organismes autonomes. Et nous croyons c'est OAVCT, ONA et OFATMA, APN, AN, là et comme ça. Donc nous mandel pour les banons bilan yo avec état financier pour trois derniers exercices. Mais il va pas me répondre non. Il va jamais répondre non. Alors, quelques questions ou poser ou poser pour qui ça ne pas répondre. Et peut-être que bilan yo pas fait, yo pas fait bilan yo. Peut-être que yo gen trop bagay que y a caché, etc. Yo pas voulu dévoiler yo ou bien. Et performance et institution ça yo li pa ka montrer yo pa ka montrer aucune performance donc pour yo ta kembe moun yo nan direction nan tête et institution ça yo organise ça yo c'est sous bilan yo c'est sous performance yo ou comprendre est-ce que yo gen revenu mais ça qui passé yo pa vle communiquer en rien parce que tout comme institution ça yo c'est comme qui en dehors de fiscalité ça veut dire yo pas passer dans trésor public du tout ou comprendre et puis pas gain affaire de comptable public bagaille et puis moun yo fait ça ou pipito avec comme yo de telle sorte que yo bay tête yo salaire que yo vle yo bay et yo fait n'importe qui utilisation avec et l'argent là avec Kobzayo qui fait que l'État on dit bien en pile pour ouais avec économie criminelle que nous mien là avant rapport ULCC a sorti pas de gain en pile insistance sur comportement Raoul Pierre-Louis lui-même mais avec rapport a il vient établi que monsieur lui-même il gain responsabilité si bien que il demandé pour extra délit l'itégain figure un dénonciateur et société a été pratiquement ou se voile comme ça Edouard Paul effectivement nous-mêmes la UCC nous t'ai salué ça et que tu prends courage lié à deux bras et les dénoncer et trois conseillers présidentiels yo maintenant et c'est ça m'a dit au rapport ULCC c'est des rapports de bonne facture monsieur pas échappé à certains éléments qui liés avec que ce soit la corruption active ou bien la corruption passive et responsabilité c'est que non seulement l'arrivée fait rejoindre carte là mais et bah il pas fait de manière régulière en respectant tout principe banque d'après ça rapport révélé mon volonté même pour que les rentrer dans trafic avec monsieur et trafic là c'est pour le conserver pour si donc c'est pas sérieux ça ce n'est pas sérieux de sa part et à l'occasion de sortir rapport ça nous apprenons que 4 ça a été attribué, il y a une bonne valeur l'argent là-dedans qui est dépensé
et yo t'a patane probablement que Raoul Pierre-Louis renfloué compte carte de crédit et c'est comme ça stratagème là t'a pas le faire en sorte que comme yo t'a demandé à un moment ou à un autre li bail. C'est-à-dire que c'est comme ça que il a rassemblé à travers un carte de crédit qui gagne un chiffre sous lit, mais chiffre ça l'a bougé dans le sens que yo met l'argent sous lit et puis yo même yo prendre après ça yo renfloué et c'est comme ça donc que l'argent baille. Mais là gagne un élément qui était inconnu. Comment dépense ça yo fait rive fait rapide comme ça en peu de temps autant d'argent dépenser que gain de carte de crédit qui presque fini pratiquement bon. Et ça m'a gain apprécier et faut m'ta ouais et différentes transactions que vous faites pour peut-être bah une meilleure compréhension sur des pensions etc sur mais toujours est-il que principe bah quand là et principe pour qui j'ai à payer et dépenses qui fait sous carte là et tout ça yo c'est des éléments matériels qui est convaincant pour yo dénoncer à corruption que monsieur soumet yo là-dedans. Autrement dit c'est ça qui a fait comme analyse dans des milieux plus ou moins spécialisés ou qui a réfléchi qui a posé question yo est-ce que li pa ta nécessaire pour garder tout qui mécanisme de blanchiment d'argent qui met en œuvre à travers toute question ça qui posait là je veux dire absolument et là où est par exemple déclaration que Smith Augustin fait côté il dit que il gagne comme il versé chaque mois 25 millions de gourdes et comme renseignement et intelligence et à chaque conseiller. Ça veut dire c'est son bagage qui est inimaginable. Et inimaginable. Et je dis à et si tel est le cas et c'est une des raisons qui fait ECC penser que si il a besoin approfondir, il a besoin approfondir enquête là. Parce que ou 25 millions de gourdes non mais faut comme l'État faut toujours capable de dire qu'on dépense les c'est pas une institution qui lié avec renseignement ou pas gagner ou pas gagner comme renseignement pour toucher ça c'est premier principe là deuxième principe là et comme c'est pas une institution de renseignement qui prend cobla ou même qui prend cobla faut venir dire qui ça cobla fait ou comprendre sinon ou comprendre c'est mounio a servi et a blanchi comme l'État ou comprendre et qui gens pour ça fait et nous enquête la besoin approfondie parce que si les gens recevoir tout comme ça chaque mois Jean Smith Augustin Dilly et à qui ça cobla servi? Est-ce que le servi a financé le secteur politique qui était bail et qui était désigné Nexayo à aller dans le CPTA? Si tel est le cas, jouet élection li faussé et élection qui pral venir. Vous comprenez? Parce que tout le monde passe au même plan. Vous comprenez? Pour certains secteurs politiques, qui gagnait l'argent l'État non mais qui a fait campagne qui a fait et qui besoin prend pouvoir de telle sorte que si il bagaille ça vérifier il faudrait que vraiment yo interdit et certains et certains partis politiques certains leaders politiques pour yo pas capable à l'élection, pas capable de présenter candidature. Ça, la loi
et dans loi et prévention et répression de la corruption tout. Mm-hmm. Et si tel est le cas, il y a pas capable et CEP qui prend le mettre en place ça, il y a doit disqualifier à partir de enquête qui fait sur ça. Donc nous besoin que yo approfondi enquête là et reste nom CPT qui là yo, il faudrait voir si effectivement yo gen tout comme ça y a géré, c'est il faudra que malheureusement yo continuer faire enquête là même sur yo tout parce que et l'argent public il faut que il dépense et qu'on bail rapport sur vous comprenez. Donc même... à partir du de question et l'agent intelligence ça que yon conseiller dit qui distribuait, donc vous pensez que au-delà de 3 ça yo faut disons 6 lots yo, c'est ça si me pas tromper moi, et t'a doué donc gagner des enquêtes qui faites pour qu'on d'une part si on recevoit l'agent intelligence là et à qui ça ça servit, c'est ça qu'on va dire. Oui, y a besoin d'un rapport, y a besoin de demander au rapport sur comme intelligence là, parce que mais pour c'est Haïti pas besoin d'intelligence ou quoi mais ça crive ou pas une institution qui liée avec renseignement ni intelligent, l'agent ça c'est pour une institution qui a fait et renseignement et intelligence. Et si ou servir avec lui en dehors de ça lui doit affecter c'est comme ça finance publique fonctionner et il faut qu'on bail rapport sur ça et puis on réponde de décision qu'on prend. C'est comme ça yo traité et les finances publiques. Mais problème dans tout Edouard Paul, c'est que responsable public yo pratiquement yo pas gain côté pour rendre compte dans certains sens puisque bon institution yo pas là et là par exemple l'en mettait en place transition yo te prévoit ou institution de contrôle institution de contrôle ça pas jamais venir c'est ça relé au CAG là pas fin de songer qui ça sigla vle dit en tout, mais c'est lui-même de, c'est de ça qu'il s'agit, c'est une institution qui était pour mettre en place à côté de plusieurs autres on t'a parlé de parquet financier, mais bon il y a l'autre encore et donc, espace de contrôle ça n'a pas existé. Oui, mais c'est arrivé, institution contrôle, il n'y a pas toujours joué au rôle et parce que tout suivi ça suivi quotidien sous finance publique là c'est job IGF et inspection générale des finances ou comprendre c'est lui qui pour rester veillatif vigilant sous rapport chaque instance à bail et dès lors que yo dérapé et inspection générale des finances t'a doué et alerter le système de gouvernance du pays. Mais vraiment, c'est une instance et pour nous t'adouer compter sur lui pour mettre question, pour freiner question corruption ça, mais malheureusement il n'est pas montré que il est très actif sur ça. Alors non pas ouais Edouard Paul une diligence qui paraît être faite, bon tout au moins peut-être que il y a une réflexion pour faire etc mais c'est silence du côté des autorités que on prend CPT ou bien au niveau gouvernement en général, bon ça concerne CPT, c'est les plus grandes instances de pouvoir dans le pays aujourd'hui, c'est silence. Oui, bon ou pas ouais bon c'est enquête ULCC actuellement, mais ou pas ouais effectivement aucun monde voulait bouleverser système non. Y compris le commissaire gouvernement lui-même qui est interpellé, il dit nous pas attendez. Commissaire gouvernement, pas jamais fait lui parce que les marins en pied de ministre justice là. Vous comprenez? Donc,
nous pas un système judiciaire qui est indépendant suffisamment pour mener ce genre d'enquête. Et alors côté bail ça va le débloquer. Bon, où qu'on est, moi-même penser que il faut vraiment nous miser très fort sur le renouvellement de la classe politique. Et que nous pas garder et système et parti politique yo là et comme si et c'est comme ça la prêter. Donc, mais ça, c'est à long terme. Parce que si nous regardons l'affaire là, lui-même, Edouard Paul, c'est à long terme. Mais à court terme. À court terme, moi-même, je ne sais pas où est que. Parce qu'il faut avoir une volonté politique. Mais est-ce que le secteur qui est nommé, il n'y a pas un rôle qui a joué, même bien que vous paraissez, vous même divisé sur question ça? Il y a un rôle pour vous jouer, premièrement, et communiquer que vous avez remplacé vous. Et bah yo 5 jours bah qu'on est pour yo remplacer yo et moun ka remplacer yo a l'a gagné qualité et les non seulement des compétences mais également des qualités éthiques et morales suffisantes pour yo conduire et transition. Donc si yo te fait un discours comme ça ou t'as pour que nous sommes capables d'espérer faire partage et ça dans ce PDA. Mais ça m'a gardé et déclaré, moi, yo tout traité silencieux, secteur politique, on va dire rien. Et nous, impliqués dans la bagaille là, yo dit à prêter. Donc, ça veut dire que ce PDA, il est capable de disparaître, oui, et dans la question corruption, ça. Et d'autant que ça arrive dans le contexte, contexte-là paraît tout le monde a regardé ça, qui a interprété le temps une bataille de pouvoir entre CPT et gouvernement. Entre-temps, nous, toute violence gagne lui-même, et il a profité de confusion, ça, il a augmenté. Absolument, où est ça? Où est que quand il a pu frapper et nous recevons information sur Ponson D, Saint-Marc, la Tibonite, là, son bas était chargé. Il est vrai pour nous chercher à comprendre et vraiment qui en jeu guerre ça a eu installé dans la Tibonite, là, en jeu li, sur l'avenir pays, sous zone là et parce que il semblait que yo pas voulait nous faire durer encore yo pas voulait la Tibonite traiter et une plus gros une plus grande zone de production agricole donc et on l'autre bagaille qu'a réglé dans la Tibonite là à travers Gangsay. Et maintenant des effets au niveau international. Qui sont moi-même lecture par moi et au lendemain de scandale là nous tendez qui est réaction c'est peuple qui voyait et Smith Augustin et ils disent des bagailles politiques politiciennes d'après régler yo pas vle Smith Augustin vienne président CPTA. Mais mes amis, depuis le scandale a éclaté, ou même où dit ce docteur politique ou y est, ou pas trouvé que Smith Augustin n'est pas carité. Claude Joseph dit que c'est docteur lié en politique. Il n'est pas trouvé que la communauté internationale n'a pas accepté de deal avec un monde qui a et poids corruption ça sous d'eau. Non mais c'est c'est ou bien les ont entré dans politique là yo gon déni et sou yo ou bien mon cher yo pas comprendre rien dans question politique et statut.